Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme sur l'épisode de Elite Dangerous Horizon. Donc, on va essayer de se poser toujours dans le cadre de la suite de l'épisode précédent. Donc, d'une mission, faut buter des. Hop, voilà. Voilà, faut buter des commandes des drones. Apparemment, qui sont dérangeants. Hop, on essaie de se poser en douceur. Voilà. Donc on va essayer de prendre le drone à nouveau. Enfin le SRV pardon. Et on va essayer d'y retourner. Donc vous voyez qu'il a récupéré de la coque. Il n'a cependant pas récupéré de carburant. Et donc j'ai fait quelques kilomètres hein. On va faire une marche arrière. Ouais voilà pourquoi pas. Ah bon, bon bah non alors. Parce qu'en fait c'était une marche avant. C'est à dire qu'en fait on est déposé à l'envers. Pourquoi pas. Donc j'ai pas envie de retourner par là. Alors. Donc ça c'est notre vaisseau hein. Ok. Donc nous on cherche un. On va plutôt passer par là. Apparemment il y a des choses par là-bas. Donc c'est bien par là. Droit devant. Un peu plus sur la gauche. What the fuck. Ah non. Clairement quelque chose dans ce caillou, voilà. Affleurement. Ok, matériaux. Soufre. On ouvre le récupérateur. Hop, on va le récupérer. Hop. Marche arrière. Croc, n'oubliez pas de cibler vos objets chers amis avant de commencer à les récupérer. Vous avez vu, il y a un trait là-bas. C'est qu'il doit être assez loin. Dans cette direction. C'est assez étrange. On va jeter un œil, c'est assez étrange. C'est intriguant, on va dire. Surtout qu'ils disparaissent et ils apparaissent. Ce serait ce qu'on cherche. Devant. J'ai l'impression que ça se déplace en plus, c'est ça qui est ennuyeux. J'arrive pas à les mettre, de les garder bien en face en fait. Ou alors c'est que c'est. Non, je sais pas. Hop. Non, c'est bien en face. Après, on voit des cailloux, donc ça doit être des cailloux. C'est mon vaisseau qui repart devant nous là. Bizarre.
apparemment ça a plutôt l'air d'être les minerais. Non? Hop. C'est pas un bruit pour... Attends, c'est un bruit qui est pas... Ça m'intrigue. Attendez. Non, c'est pas là que c'est intéressant. Ça fait comme un bruissement de... comment de... de radio. Ouais, c'est un peu trop large. Ah non, c'est revenu pareil en fait. Mais c'est comme ça, chers amis, c'est de la recherche. Hein. Vous allez voir par là. Et vu qu'il y a plein de cailloux, je me dis que... C'est pas si simple. C'est par là. Ah, c'est le gros là-bas. Ok. Je te vois, l'ami. Ah, il est trop près pour que je puisse tirer dessus à la tourelle. Ah non, c'est parce que je n'ai plus de... Hop, voilà. Alors. Du phosphore. Pensez à ramener le récupérateur ensuite. Hop, ce serait pas mal. Du carbone. Ok, on range le récupérateur. On va directement dans l'inconnu. Strictement rien en radar. Si, il y en a un petit peu sur la gauche. Et ce qui m'ennuie, c'est qu'on trouve vraiment rien, chers amis. Vraiment rien.
Donc là, apparemment, par là, il y a plein de choses. De ce qui nous intéresse, j'ai l'impression. Aïe. Aïe. Blah. Ok. Et moi, c'est pas les cailloux qui m'intéressent. Bon, je ne vois que ça. On va rappeler le vaisseau, c'est pas grave. Ok. Ok, c'est parfait. On va rappeler le vaisseau, donc je disais. On va essayer de se déplacer un peu plus vite. Ouais, c'est un peu vide, hein. On est censé trouver des tourelles et on a 3 heures pour les tourer, pour les trouver, pardon, mais elles sont pas... C'est pas si facile que ça. Hop. Alors, où est-ce qu'il arrive? Alors, comment que ça s'appelle qu'on doit chercher exactement? Ah oui, c'est vrai, on n'a pas de nom. Ok, où est-ce qu'il est? Il est à gauche. On y va. Putain, il s'est posé chai. Hop. Hop. Elle est au point d'embarquement. Ça sert à quoi ça? Hop. Ok. Embarque. Hop. Il y a mon vaisseau qui fait puit puit. J'aimerais bien qu'on ait ce radar là en fait une fois qu'on est dans le vaisseau quoi. Alors, allons-y. J'aimerais trouver une de ces fichues. Pas station, mais machin, hein, où il y a des tourelles dedans. Si compliqué que ça? Enfin, pas des tourelles, mais des drones, espèce de drone. Mais non. Voilà. Je me doutais qu'il allait y en avoir peu, mais alors à ce moment-là. À ce point-là, c'est pas intéressant du tout. Hop, c'était ric-rac. Mmh.
Et donc on y perd quelque chose si on l'abandonne? Non. Alors comme je l'ai dit, quelque part sur cette planète, il est censé y avoir des drones. On ne sait où. Si je vole à plus de 2 km d'altitude, est-ce que j'ai une plus grande vitesse ou pas? Non, pas du tout. Une meilleure vue, pas du tout. On y retourne. On n'a aucun moyen de savoir ce qu'il y a au sol, parce qu'il n'y a pratiquement rien. C'est pas comme ça que je l'avais imaginé. C'est que je vais me mettre comme ça. Ça va me permettre de voir plus ou moins. Le sol. Hop. Et on y voit quand même, on voit quand même que c'est assez vide. Ouais. Y a rien qui n'apparaît au radar. Vous savez quoi? On va se barrer. Hop, on abandonne. On va se trouver un autre système, un peu plus loin. Genre Groombridge 34. Hop. Ah, attendez. Vous avez vu, on est arrivé dans une espèce de zone bleue. Regardez ça. Vous avez vu? Ah, c'est parce que j'avais tout simplement. Ah oui, d'accord. Attendez, à beaucoup mieux. Ouais, bon bah non alors. Putain, j'y ai cru l'espace d'un instant, c'est ça le pire. Vous êtes pas dans la bonne direction, les filles. Ah, vous êtes trop proche du... Oh, c'est pas possible. Est-ce qu'il va y avoir une planète qui va être au niveau de, d'en face de moi? Voilà. S... Enfin, un système SPF LF1. Putain. Et en plus, c'est un nom de merde. Ouais, donc là ça commence assez mal, j'ai envie de dire, pour Horizon, chers amis. On peut voir que les planètes sont extrêmement vides. Ça pue. On va regarder un truc. Mais non. Pas le mode furtif. Qu'il est con. Il est con ce vaisseau, pourquoi il me passe en mode... Alors. Je sais pas comment on fait, je sais plus comment on fait pour leur parler. Hop, discussion texte. You, alors, Horizon, je compte que c'est assez vide ces planètes. Hop, blah.
va essayer de se faire intercepter aussi au passage parce que bon, ça pourrait puer du cul. Ça pourrait puer du cul. Bah y'a rien dedans, c'est cool. Ah bah tiens Sirius, y'a plus de demande de... Tiens c'est marrant, Sirius il me semble que c'est avec autorisation pourtant. Enfin bon, ce n'est pas grave. Une petite découverte au passage. Voilà, et on part. Oh bah oui d'accord, il faut, pour pas être dans le système, il faut obtenir une autorisation. D'accord, il pourrait me l'afficher quand même là. Hein. Ah bah non. Voilà, c'est bien, t'as compris. Alors. Écoutez, on va aller à... Où est-ce qu'on va aller? Carte de la galaxie. Allons-y comme ça. Bah, vu qu'il nous tend les bras, on va aller à Tabit. Faut juste réussir à mettre le doigt dessus. Sur Tabit. Je vais la faire souvent, on a cette blague maintenant que j'ai connu le système. Ah le stupide homme. Horizon sort et tu veux farm des choses. Hop, c'est parti. Alors. Alors, il faudrait qu'on trouve une planète avec des choses dessus. Ce qui serait très compliqué. Oh putain. Alors, est-ce que dans les systèmes anarchiques, on va poser une question. Est-ce que si je vais dans un système anarchique et que dans ce système je trouve une planète sur laquelle atterrir, est-ce qu'il n'y aura pas potentiellement plus de choses? Appel de détresse. Oh. Bah écoutez, on va aller se faire ça. On va quand même regarder ce qu'il y a dans la zone. Oh bah il y avait de quoi faire. Alors appel de détresse. Qu'est-ce qui se passe? Hop. J'en profite au passage pour rééquiper mon armement. Là, où est-il ce module d'armement? Il veut pas me l'équiper parce que je suis pas en... D'accord. Ok. Parti. On est prêt. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Secours, notre vaisseau a été saboté et nous arrivons dans l'espace. Nous supplions tous les vaisseaux du secteur. La ligne de mire. What? Mais t'as cru, toi? Ouais, ouais. Ils sont nombreux. Ils sont clairement nombreux. Clairement nombreux, chers amis, ça fait mal. Je sais que c'est pas YAP. Si j'en ai. Non. T'es mort. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'ai bien compris.
Hop. Où est-ce qu'ils sont? Hop. Un eagle. Il a pris tellement cher, le pauvre. C'est bon, vous allez vous calmer. Hop là. Mes tourelles continuent à tirer dans le dos, donc forcément, tu l'as dans le fion. Toi, t'es où? Ah putain! Ok, tu cherches à jouer à ça, on va jouer à ça. Viens par là, un petit sidewinder. Comment un eagle et trois sidewind et un sidewinder et un MK3 peut me faire autant de dégâts? Voilà, meurs. What the fuck? Test, ce vaisseau est super endommagé. Allez. Hop. Où est-ce qu'il est, lui? Hop. Je t'ai quand même sauvé la peau, l'ami. La moindre des choses serait de me remercier. Yo. Escamotage. Bon. Faites attention la prochaine fois. Ah oui, j'aimerais aussi, chers amis, qu'on m'explique comment fonctionne le survolteur de bouclier. J'en ai vraiment besoin, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Oui, il n'apparaît pas là-dedans, donc je sais pas du tout où est-ce qu'il faut le faire fonctionner. Il est là. Mais alors, comment on le fait fonctionner, je ne sais pas. Je demande des explications. Et dans le système dans lequel on voulait aller. Ah. Hop. On va aller sur celle-là. Oh la vache, il est loin. Allez, tout est loin dans ce système en fait. Eh ben écoutez, on va aller voir ailleurs si on y est. Bah, on va pas aller à Tabit. Ça va me tuer cette histoire. On va aller à Lung. Parce qu'elle est Lung, Tabit. Oh putain. Alors, frameshift drive charging. À moins que s'il y a quelque chose dans le coin. Entendu. Bon, de toute façon. Hop. C'est parti. Ready to engage. Je suis à fond de cale. 3, 2, 1, engage. Hop. Boum. Et bah y'a aucune planète. C'est génial. Kokari, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sirius, ouais, c'est une potion. Dwamta, bah écoutez, comme prévu, on va aller à Dwamta. Hein. J'aime pas particulièrement Dwamta, mais on en a fait beaucoup de missions sur place et bon, de ce côté-là, on devrait pas avoir trop de problèmes. Frameshift drive charging. Et je pense que pour le prochain épisode, vous chercherez un. Une étoile d'anarchie et un système anarchique, et on ira voir dedans ce que ça donne au niveau des planètes. Je suis curieux.
N'empêche qu'on trouve pas grand chose, ça me... Va peut-être falloir qu'on attende quelques jours avant d'avoir des informations supplémentaires sur les... Enfin, les mecs qui passent 8 heures par jour sur Horizon, mais... Ouais, je sais pas. Donne ça. Ok. Ah. On va voir l'installation des amis. Et vous voyez, il y a faible sécurité. Je sais pas à quoi ça correspond, ces choses-là, chers amis. Sincèrement, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est méchant? Est-ce que ça... Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Par contre, la planète est très particulière, de ce que j'en vois. Regardez la cartographie. Il y a d'ailleurs un sujet là en parlant de cartographie. Hop. Ouais, c'est ma question, mais j'avais déjà faite. Hop. La planète a l'air très particulière quand on voit l'espèce de hologramme. Alors, est-ce qu'il faudrait pas que je remplace un petit peu de soute par un scan de surface détaillé? Je sais pas, peut-être. Je sais pas trop ce que je pourrais mettre. J'ai combien de soute actuellement? Actuellement, en soute, j'ai 0,176. Ouais. Elle me semble très particulière, cette planète. Pourtant, vu de là... Ça ne semble pas plus particulière que ça. Hop, on essaie d'aller sur le côté où il y a de la surface. Ah, on va être de nuit en plus, on va être dans l'ombre. Ça peut être intéressant. C'est le plus beau jour de ta vie. Bah écoute, tant mieux pour toi, mon ami. Tant mieux pour toi. Hop, on va essayer de... Hop. De réduire. Hop, non, on va accélérer quand même un petit peu. Donc on avait dit on sort du glide à moins de 30 km. Hein. Hop. Voilà. On n'y voit rien. Hop, descente terminée. Hop, demande d'appontage. Crac, il va nous la faire. Hop, on voit pas des masses la planète, hein. C'est vraiment très très sombre la nuit, hein. Enfin, sur la face cachée du coup. Ouais. Merde, je devais vous montrer Mars. Bon bah tant pis, je vous remontrerai ça une autre fois. C'est vraiment extrêmement sombre. Alors, je tiens à préciser que j'ai quand même allumé mes phares, hein, ça se voit pas, mais ils sont allumés. Avant-poste planétaire, donc c'est un avant-poste, c'est pas du tout un port planétaire. Pourtant, il m'a semblé que c'était un. Ah non, c'est un avant-poste apparemment. Ok. Alors, voyons voir, service de Slack Support, qu'est-ce qu'ils ont nous proposer en fait?
Yo. Réparer, ravitailler. Contact, sait-on jamais. Passer les primes. Universal cartographique, on peut aussi y passer. On n'a rien à revendre. Dommage. C'est là qu'on va aller voir les choses intéressantes. Normalement. Là, c'est les missions disponibles. Là, les missions de surface. Le pilote, un pilote disparu. Ça peut être intéressant, ça. Oh, les trucs que ça rapporte. Colonie cible qui est résistance. Inhéritance, pardon. Pirater termina l'opération. Intéressant. Moi, c'est plutôt ça qui m'intéresserait. Écoutez, on va le faire. On va le faire. Mais on va le faire dans le prochain épisode, chers amis. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Pérou, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. J'arrive à parler, ce serait pas trop mal. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé, il n'y a pas trop de contenu. Je découvre en même temps que vous Horizon. Donc on y va, on repart. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Salut les gens!